L'un des acteurs phares de la série Euphoria, Angus Cloud, avait rendu son dernier souffle à l'âge de 25 ans, lundi 31 juillet 2023. Le comédien y incarnait le personnage d'un trafiquant de drogue aux côtés de Zendaya. Sa famille, bouleversée, avait été complètement sous le choc en apprenant la nouvelle. Près de deux mois après son décès, les causes de sa mort ont enfin été révélées. Un porte-parole du département de médecine légale du comté d'Alameda en Californie a conclu qu'Angus Cloud était décédé d'un mélange mortel de fentanyl, cocaïne, méthamphétamine et benzodiazépine dans ce qui est considéré comme une overdose accidentelle, rapporte RTL. Le jeune homme avait perdu son père quelques jours avant son overdose, faisant craindre le pire à ses proches, tant il souffrait de problèmes de santé mentale. L'autopsie a révélé une intoxication aiguë liée à ce mélange de drogues. Si l'overdose a été qualifiée d'accidentelle, sa famille avait eu à cœur d'alerter sur les problèmes de santé mentale au moment de sa mort. Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que sa mort rappellera aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas se battre seuls en silence, avait déclaré ses proches cet été. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, l'émotion de Zendaya à l'annonce de la mort d'Angus Cloud, ses amis les plus proches, dont font partie de nombreuses têtes d'affiche du show à succès de HBO, avait rendu hommage cet été à un jeune homme solaire à l'avenir prometteur. Les mots ne suffisent pas pour décrire l'infinie beauté qui le caractérise, avait de son côté admis Zendaya, la vedette d'Euphoria, sur le réseau social ce mardi 1er août. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir connu dans cette vie, d'avoir pu le considérer comme un frère, d'avoir vu ses yeux chaleureux et son sourire éclatant, et d'avoir entendu ses éclats de rire contagieux, je souris rien que d'y penser, s'est ainsi émue la comédienne de 26 ans. Je sais que les gens utilisent beaucoup cette phrase pour parler des gens qu'ils aiment. Ils illuminent toutes les pièces dans lesquelles ils sont, mais je vous assure qu'il était le meilleur pour cela, a-t-elle poursuivi, très affectée par la perte de celui qui était aussi chanteur à ses heures perdues. Je voudrais me souvenir de lui comme ça, pour cette lumière, l'amour et la joie qu'il arrivait à nous donner. Je chérirai tous ces moments, a-t-elle conclu en adressant ses pensées à la mère du défunt et à sa famille. Crédit photo, Backgrid USA. I just need